Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Résumé de Koh-Lanta numéro 6, top pour manger! Alors, le Koh-Lanta a commencé depuis un petit moment parce que j'étais fatigué. Donc, je me suis dit que j'allais juste noter ce que. Ouh, Philippe. Pardon. Donc, je vais faire un résumé que j'ai écrit ici. Alors, c'est Laurent qui va faire le riz? Non. Ah non, ça veut pas dire ça. Laurent qui balance dès le début du truc. Mais alors maintenant, qui va faire le riz? Quel connard. Et c'est Martin qui s'y colle. Et pourtant, il fait pas un riz qui colle. Martin va à la pêche. Martin fait le riz. Martin veut se sentir indispensable. Freddy qui se rend compte qu'il n'est pas dans la stratégie. Freddy qui est grave en danger. Il aurait dû parler stratégie avant le conseil, mais il a été con. Là, en fait, on est à l'épreuve où il balance sur des cibles et il casse des trucs. Et là, il reste plus que Phil et Théoura, hein, c'est ça, hein? Et Moundir. Phil a perdu, il reste Théoura et Moundir. Et vous savez ce qu'ils ont à gagner? C'est une épreuve de confort. Et c'est génial parce que il y a Denis Brognard qui leur dit: est-ce que vos proches vous manquent? Oui. Est-ce que ça vous dirait de les voir via Internet? Ils n'ont pas payé de billets. Et bon, peut-être qu'ils ont payé des billets et qu'ils font croire que c'est Internet et qu'ils vont être là, vu qu'il y avait des repas pour deux à côté du lit. Je sais pas. Enfin bon. Là, qui va gagner, Moundir ou Théoura? Moundir est nul. En tout cas, ils ont fait cette épreuve-là, à mon avis, parce que tout le monde allait voter contre Freddy. Le truc, c'est que faire des épreuves où tu peux perdre le droit de voir quelqu'un que tu aimes, ça crée des haines graves parmi les mecs. Et tu détestes le gars qui a cassé ta statuette ou ton cercle en terre. À mon avis, Théoura va gagner parce que c'est quand même un mec. Il est plus habitué que Moundir à jeter des trucs. Hein. Ça. Si. Sa femme, elle le dit. Truc. Tu vois? C'est Théoura. Bon, par contre, ce qui est bizarre dans ce Koh-Lanta, c'est que quand on voit Christina qui rejoint Flo, les deux dernières éliminées, quand elle commence à parler de Koh-Lanta, elle parle technique. Et en fait, le problème de prendre des aventuriers qui sont là depuis longtemps et qui connaissent le jeu, et puis, il faut savoir que les gens de Koh-Lanta font des repas entre eux. Tous les gagnants de Koh-Lanta, tous les gens qui ont participé à Koh-Lanta se voient et discutent. Et en fait, ça parle stratégie, mais stratégie de Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'ils connaissent les mécaniques du jeu, et c'est bizarre, elle dit, ok, ils ont éliminé toutes les femmes, mais t'inquiète pas, à un moment, ils vont se tester parce qu'il va y avoir un jeu comme ça. Et c'est bizarre, en fait, parce que ça devient plus le même Koh-Lanta qu'avant. Laurent est très énervé parce que Théoura choisit Phil pour partager la connexion Internet de l'île. Alors que Laurent, sa maman, est malade, et donc il est dégoûté. Mais d'un autre côté, vu comment il traite les femmes, alors qui va faire le riz, tout ça? Ben Laurent, avec tes gros tétons, tu te prends un bâton dans le cul. Je sais pas ce que c'est. Rémi soulève un point important dans ce Koh-Lanta, c'est que dans les C'est moi, l'authentique petit ourson, il y a l'ourson qui est là sur le paquet, qui trouve ça trop bon de se manger lui-même, mais non seulement de se manger lui-même, mais en plus, il s'arrache la tête. On n'a jamais vu un mec qui arrachait la tête d'un de ses congénères en faisant « Ouh, chouette alors !» Théoura promet des trucs, il y a trois personnes autour de lui qui lui disent « Prends fil !» Et il fait « D'accord !» Et après il rentre sur le corps et il fait oh, « C'est pas ce que je voulais faire !» Peut-être que c'est un garçon qui ne voulait pas être tatoué. Et qu'un copain lui a dit « Eh, Théoura, regarde Moundir !» Et il lui dit « Tu la veux ?» Mais Moundir dirige tout. Moundir, il les a tous manipulés. Moundir, c'est son troisième Koh-Lanta. C'est celui qui a fait le plus de Koh-Lanta, je crois. Il connaît tous les trucs. Il les baise. Et sur baiser par Moundir, il reste une minute de batterie, là. Je suis dans la merde. Mais Théoura, il est en larmes, les yeux gonflés. Il est dégoûté d'avoir donné à Phil la place qu'il avait promis à Laurent, alors qu'au moment où il a gagné, il a demandé à Moundir s'il voulait venir. Non mais c'est parce qu'il s'est passé un truc, c'est que Florence, quand elle a quitté le camp, elle a dit « Qui me remplace pour faire la pisseuse qui chiale ?» Et là, il y a Théoura qui fait « Moi, je veux bien !» Et maintenant, c'est lui.
Alors, le replay me dit qu'il y a le multicam sur Danse avec les stars, et si tu veux, tu peux regarder sous plusieurs angles l'émission. Déjà, il faudrait regarder l'émission. Koh-Lanta, ils font des Macs maintenant. Il y a le logo accroché à l'arrière du Mac. Koh-Lanta. Avant, ils offraient une conversation téléphonique. C'est le premier Koh-Lanta où il y a une liaison Internet. La caméra, elle freeze. Et du coup, le monteur, il met la musique. Tintin. Et t'as, oh non, ça a bugué. Et l'image, elle est fixe. Et tintin. Et l'image, elle reste fixe. Oh putain. Ah, ils font de tout. Ils font du danger avec tout. Le Mac a bugué. Pam pam. Voilà. Et Timezo. Comment il va, Timezo? Bah, Timezo, il va à l'école. Et bon, bah. Il y arrive. Phil et sa femme, ok. Il y a l'autre bébé, ok. Et il y a Timéo. Et il a la femme. Et il y a Timéo. Il en aime un. Je tenais à dire qu'il avait beaucoup parlé de Laurent, ok. Théoura pleure parce que le Mac a bugué. Faut dire que le wifi là-bas, je suis pas sûr que... Bon... Les mecs racontent les bugs liés aux vidéos. Les images sont plus là, mais il y a le son. L'image freeze. Ah non, enfin, ils disent pas freeze d'ailleurs. C'est ouf. En fait, c'est des mecs qui découvrent. Je pense que c'est des gens qui ont jamais parlé via webcam, quoi. Le but de Moundir dans cette histoire, c'est quoi? C'est de se débarrasser des deux qui peuvent gagner. C'est-à-dire Freddy et Théoura. Et pour le moment, il a réussi à faire que Théoura et Freddy soient séparés. Ils ne font plus partie de l'équipe. Théoura, s'il ne gagne pas cette épreuve d'immunité, sa famille, il va la voir et elle ne va pas friser. Parce qu'il va la voir en vrai. Il va rentrer au pays, le mec. Je ne parle pas de leurs cheveux. Avec ce jeu d'immunité, on comprend pourquoi Moundir... Il essaye de manipuler les gens. C'est parce qu'il est incapable de gagner un jeu. Laurent, qui passe la ligne comme Michael Jackson. Ah putain, il est dégoûté, Phil. Freddy veut à tout prix gagner parce que, quand même, c'est chaud pour son cul. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je pense que Théoura est quand même en danger, quoi. Freddy Théoura. Moundir n'a qu'à choisir. Laurent, là il a fait en marche arrière, il a quand même bien regardé vu que Martin était quand même derrière, mais il a quand même gagné en marche arrière. Ouais. Bon, bah Freddy et Théoura. Alors, Moundir va décider quoi, puisque c'est lui qui chapeaute tout. Bah Freddy, il a réussi à pêcher avec Martin un gros poisson, donc oui, l'éliminer c'est un peu la merde. Mais Moundir va vouloir l'éliminer. C'est vrai que j'avais oublié que Théoura avait un collier d'immunité, donc Théoura peut le jouer, mais est-ce qu'il va le jouer ce soir? Parce que le problème, c'est que le collier d'immunité, il faut le dire, hey, je le joue, parce que je pense que c'est chaud pour mon cul, Denis. Ce poisson, il est Mastar. C'est Mastoc, non? Mastar. Danse avec les Mastar. C'est des gens sous l'eau, avec des trucs de plongée, et des poissons. Danse avec les Mastar. Martin, il fait la cuisine maintenant. Martin, il va pêcher. Martin, il s'assure une place un peu loin. Sauf que Moundir, eh ben, lui, il veut que des gens qui lui sont très fidèles. Et c'est Laurent et Philippe qui lui sont fidèles. Quelqu'un veut l'œil? Non, merci. Je te le laisse. Tu vas faire quoi? Tu vas le manger? Ah oui. Ah oui, oui. Eh bien, je vais aller vomir les 200 grammes de poisson que je viens d'avaler. Alors là, je trouve que Koh-Lanta... Ils abusent un petit peu parce qu'ils nous montrent vraiment tous les gens en train de dire « Je vais voter T, je vais voter T, je vais voter T. » Alors, quel est l'intérêt avant de voir le conseil de nous montrer tous les gens qui disent pour qui ils vont voter si c'est lui qui part? À mon avis, c'est Freddy qui part. Parce que sinon, ils n'auraient pas monté comme ça. Mais est-ce qu'il va oser jouer le collier d'immunité? Je suis pas sûr. Freddy vient de dire au conseil « Je me suis rendu compte qu'un Koh-Lanta... sans lien d'amitié et sans stratégie, ça n'existe pas. » Mais bon, quand tu vas sur une île et que t'es bloqué avec des gens,
Bon, pas faire stratégie, pourquoi pas? Pas faire de lien d'amitié? Putain, t'as rien à foutre toute la journée? Qu'est-ce que t'es venu faire? T'es venu juste monter des tables et fabriquer des cuillères? Attends, c'est tellement... Maintenant, les Koh-Lanta, ils sont tellement au courant de ce qui se passe que les mecs, ils parlent, ils disent « Oui, non, mais oui, moi, je sais que niquer les gens, c'est pas cool, donc j'attends que les gens, ils niquent, et moi, je me mets dans le groupe des gens qui niquent. » Voilà, voilà. Mais là, Mundir, il ferme sa gueule, parce que, en fait, là, s'ils continuent tous à dire les choses comme ça, à un moment, ils vont dire bah, « C'est Mundir que je suis. » Et après, il est dans la merde. Denis, dans le montage, il demande pas si quelqu'un a un collier à sortir. C'est après, je crois. Ah, c'est avant le vote. C'est avant. Ah oui, d'accord. Oui. Mais si, le mec qui est éliminé, il a sorti le collier, c'est l'autre mec qui a eu moins qui est éliminé. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tes trucs ne comptent pas. Vont sur l'autre. Donc c'est l'autre qui reste. Pas trop que c'est Thé qui est voté, c'est Freddy qui part. Théora. je vais jouer le collier d'immunité parce que vraiment, je stresse. De l'avoir. Alors je vais le mettre parce que j'ai pas fait une connerie cette semaine, mais voilà. Alors là, Freddy fait la gueule. Et Mundir, il a peur parce que ça, il a pas compris que c'était. Théoura. Putain, c'était Théoura. Hein. Eh ben, Freddy. Bon, je m'en doutais que c'était lui, mais putain. Ça aurait pu ne pas être lui. Je pense que ça fait vrai. Non, ils ont pas décidé, c'est pas vrai. Denis, c'est pas vrai, ils ont pas décidé de m'éliminer, Denis. Ils ont éliminé l'autre, mais il a un collier d'immunité, c'est tout. La semaine prochaine, les mecs, ils sont éliminés directement à la fin de l'épreuve. Et qui est le plus nul en épreuve? Mundir? Mundir va peut-être partir. Mais je pense qu'il va mériter, parce que, en fait, maintenant, c'est plus un enculé avec les femmes, il essaye plus de les frapper, mais maintenant, c'est vraiment un bâtard. Stratégie, tout ça. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu veux. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh. 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 Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.